Mais maintenant, il faut que je vous équipe. Il est là et prêt. Pour que celui qui parle puisse l'attacher à sa parole. Vous avez un pouvoir. Vous avez de l'autorité. Vous jouez à ça. Amen. Tout dépend de toi. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il sauve. Dieu a été, tu as été créé à l'image de Dieu. Il dit que la lumière soit et la lumière. Mais faut parler. Oh yoba. Il t'a donné le pouvoir de la domination. Domi. Tu trembles. Amen. Devant une situation, oui, là, mon il y a une situation qui a se présenté devant oui, le monde. Je vous l'ai dit toujours, quand une situation se présente, c'est un miracle déguisé. Il a le courage d'en bas. Il a le de tout dépend de comment tu utilises le pouvoir. Peut-être que l'avenir, mon appel, non, mais qui est ce tu vas, tu veux travailler. Et voilà, ça, le tu vas travailler. Et le bébé, là. Ah, tu veux travailler. Le c'est 7 jours pour régler ça. C'est toujours pour régler ça. Il est bon ça et bien. 1h du matin jusqu'à 7 jours. Pendant 7 jours. Le 8e jour, vous êtes pas appelé. Il y a bien travaillé. C'est tout ça, je vais vous montrer les techniques. Tant que ton entourage ne verra pas la puissance de ton Dieu, tu as difficile de croire à ce que tu dis. Quand tu parles, on dit tu es chrétien. Tu es chrétien. Amen. Lui il doit se dépêcher pour dire ah moi en Italie un j'ai dit que il a battu la vallée. Il va chez toi. Puis même pas vous n'avez pas même pas dit qu'au même n'avez qu'un au. Écoute. Yézé non non là bas. Tu dis à ce prof. Le n'apose. C'est Jésus. Colonion Jésus. Ça doit dire elle a dit non. On le un. Oui. Na un. Lui il a remarqué. Le oyé na. Tout ce que tu fais marche. Amen. Bon vous voyez n'avez. Tu as dit, viens, tu es païen, Jean 3, verset 16. Si tu ne crois pas à Jésus, tu vas l'enfer. Va dire, pardon, moi-même là. Ce que tu dis là, je ne crois pas à ça. Parce qu'il ne voit rien. Et la Bible me dit que. Il ne voit rien. Tu parles, allez, dis rien. Il ne voit rien. Vous avez le pouvoir. Amen. Vous avez ce pouvoir. Je vais vous enseigner. Amen. Oh, je vais vous équiper dans le nom de Jésus. Je vais vous équiper dans le nom de Jésus. Oui, il y a des choses qu'il va venir connaître. Si tu les maîtrises, la terre pourra pleurer toi. Amen. Amen. C'est le plus seul problème, c'est que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas la connaissance des choses. Il faut que je t'enseigne. Moi, tu as voulu me créer des problèmes. C'est contenir des problèmes d'envoyer chez toi. Mort. Tu me dis, elle ne va pas pour nous là. Vous savez pas ça? On dit un esprit méchant venant de l'Éternel est rentré en Saül. C'est pas ça? Il y en a là. Moi j'ai choisi quelqu'un qui est David qui doit régner sur Israël. Et toi tu cherches à le tuer, t'es jaloux. Et l'esprit va sur lui. Oh, je vous donne le nom des esprits. Oui, c'est important. Lisez dans la Bible. Vous vous demandez si il y a sirène des eaux dedans. Mais vous les chassez, c'est pas ça. Sirène des eaux sort. Va vite, allez, sort. Mamie, va ne parle pas vite, allez. Romney. Ne parle plus trop bas. Allez. Déménage, allez. Romney. Les esprits. Si vous les maîtrisez. De où vont accueillir. Et ils sont prêts. Nous apprenons. Vite, vite. Papa, l'homme. Vous ne savez pas que c'est vous qui ordonnez aux esprits. C'est ça que les gens. Ils ne viennent pas si vous. Non, comprends-moi, il est bas, il est baissant. Moi, j'attends, bien doucement. Il me l'a blé. Je vais vous enseigner lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Il y a un qui a blé. Je vous ai dit que ça porte le nom des arts, c'est pas ça? Lundi, béni, lune. Mardi, béni, mardi.
Mars, Mercure, Vénus, Mercure, jeudi, Vénus, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le Dieu Soleil. Chaque jour correspond à un esprit. Il y a les esprits, janvier jusqu'à dimanche, en décembre, il y a les esprits. Je vous enseigne les choses. Parce que les choses ne se font pas comme ça. Et toi tu fais ça comme ça, ça marche pas. Amen. Amen. Il y a des esprits à partir de septembre, octobre, novembre, décembre. Ils sont très dangereux. Et ils ne durent que 3, 4 mois sur la terre. Oui. Mais pourquoi en décembre, pourquoi en novembre? Quand chien était aux États-Unis en septembre, c'est venu. Les missiles, vous voyez là, ils connaissent les choses. Il y a des choses, quand tu connais, tu n'as pas besoin d'être appelé. Comme tu connais, quand tu es appelé, ça s'accomplit. Amen. Donc quand tu as affaire à moi, je sais quel mois, le mois que je peux attendre, je te rassure. Si tu veux, prends ça comme tu as envie de prendre. On n'a pas dit, on a eu un pouvoir. Amen. Tu peux venir jouer, moi. Amen. Je vous assure. Je vais vous équiper. Amen. Comme monsieur le voteur, vous équiper. Quand le patron va venir signer l'aide de démission. Il est malade ou bien? Mon fils Twitter m'a appelé, m'a dit ça chauffe ici, ils ont vu des traces bizarres. Tous les bateaux m'appellent dans leur bureau, ils disent qu'il y a un problème. J'ai dit donne-moi leur nom. Il m'a envoyé tous les noms. Maintenant il a fini, bon travail. Il n'y a rien. Je fais nos faux. Toute décision, c'est la nuit. Tout se passe dans la nuit. Pendant qu'il dormait, moi je me suis levé. J'ai ordonné à leur cœur. Si vous voyez ce monsieur, rien ne doit se passer. Oui, rien. On est dans ce de Smef. Il n'a rien. Parce que j'ai le pouvoir de lier. Mais en cas tête, j'ai le pouvoir de te lier. Tête, n'a plus. On le touche, on y est petit. On a vu, mais il ne faut plus faire ça. Parce que quelque chose s'est passé la nuit. Parce que vous plus de deux ne va ni. C'est pas la nuit, les sorciers vous attaquent. Devenez vous garder. Vous n'attrapez pas. Ils font quoi? C'est pas parole, ils font. Baba. C'est pas parole. Baba. Viens, âme de Zadi, viens. Zadi, d'abord, lui, ton âme vient. On le met comme. Ben, l'abri. Ok, tu viens, blablabla. Ben, je vais te montrer beaucoup de choses. Le temps. Dieu le met des temps. Dieu le met des circonstances. Dieu le met des temps. Je vais vous enseigner des choses. Et si vous baptisez des choses, les gens auront peur de vous. Amen. 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 C'est ça le pouvoir et l'autorité du chrétien. Pendant cette retraite, c'est ce que je vais enseigner. Je vais vous équiper. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez témoignage. Un témoignage à la gloire de Dieu. Un témoignage à la gloire de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui a été fait sur toi? Rien. Non, le sorcier, il voit rien. Il voit rien. Parce que rien n'a été dit sur toi. La parole est une semence. Je me suis levé un jour. Parce qu'au commencement, Dieu créa en commencement. Le premier jour du mois, je me suis consacré, j'ai pris la parole. Ésaïe 54, verset 17. Pendant que quelqu'un cherchait à me tuer à Fresco, parce qu'il a dévoilé sa sorcellerie, le fétiche. Il a envoyé deux fois la tirer sur moi à Pietri. Il me cherche dans Abidjan. Donc je découvre que j'ai une protection. Alors j'ai commencé à donner la parole dans mon corps. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, que ce soit arme, gonfle, lance, roquette, pistolet, je sème dans mon corps. Arme sans effet. Lance, roquette sans effet. La parole est une semence.
qui a été semé dans mon corps. Donc quand tu vas déclencher, puisque c'est là, la Bible que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. On vous enseigne comment aller au ciel. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allons-y, c'est mon message. Prenez. Prenez la Bible. Matthieu 28, le verset 18. Ce passage-là que nous allons décortiquer pendant toute la retraite. Vraiment, c'est le réveil béni. Amen. Amen. Alléluia. Moi, quand je me réveille, je dis, si quelqu'un doit être béni, c'est moi. Si quelqu'un ne doit pas avoir honte, c'est moi. Oh, il y a des choses que je dois vous enseigner. J'ai dit, quand quelqu'un dort, après 4h du matin, il a raté sa journée. Non, il y a des gens quand ils veulent dormir, tu sais qu'ils sont en train de monter côte. Tu sais, parce qu'ils ronflent. Amen. Tu as raté 4h du matin. Je pense à pire, c'est bien pas. On a dit le 8h. Tout se décide là. Débénir, vous le voyez au plein. Amen. C'est l'aurore, c'est pas là. Mettre là, l'aurore. Tout se décide là. Mettez Dieu au coup. Je vais vous enseigner sinon. Hein? Tiens, Damien, c'est quand même. Job 38, c'est pas là. Job 38. À partir du verset 12. Hein? Oh, frère. Je vais t'équiper, Damien. J'ai envie de t'équiper. Moi seul, dans un village, j'ai parlé à Z45, l'un des sorciers, il parle mal le pasteur, j'ai dit le jour où il était rencontré. Moi, mais j'ai parlé à tes démons, là, de venir te manger. Démons, ils vont te manger. Ils vont te manger. Je suis enfant de Dieu. Amen. Celui qui m'a touché, Jésus. Je suis enfant de Dieu. Celui qui m'a touché, a touché Jésus. Mais c'est dans la bouche. Alors la nina vous dit quoi? Je suis en face de moi. Le but de la parole, je m'attaque. Les nains ont fait la pipi. Les gens quand ils ont fait la pipi, on est attaqué. Pas de moi, le but de la parole, on est bien. Ils sont m'attaqués. On a. Il parle de Dieu. Il n'a pas. Il en est là pour lui. C'est comme ça le diamant te mange. Il va y avoir. Papa, tu veux quoi? Pas ton cerveau. Dans nous, on a plus qu'un pain. Vous en parlez. Cerveau. Déjeuner, ça veut dire la déjeuner cerveau. Imagine toi le reste. Foufou. Copain. Nous va venir mieux en cabine. Il est venu là. Je suis enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. Premièrement, frère. Il faudrait qu'il sente que Jésus ne fait quelque chose de très grave. Il faut que je ne pas me réconcilier avec lui, sinon c'est pas bon. Amen. Si je me réconcilie, c'est pas bon. Hein? Il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Dis amen. Amen. Allons-y, le Job 38, le verset 12. J'aimerais que dans la Bible on me dise ça. Job 38, verset 12. Job 38. Et cette semaine, nous avons beaucoup lié à ces jours-là. Nous avons beaucoup la Bible. Amen. Montrez la Bible, montrez la Bible, montrez la Bible. Bible. La Bible, moi. Bible. Allez, Bible, quand même. Montrez la Bible. Aïe. Bible. Tu comprends pourquoi les gens vous mangent. Si tu comprends. Tu
Vous mangez à Bojama, vous allez comprendre. C'est à Bojama. Vous mangez à Chiki à Bojama. C'est vite, vite, petit déjeuner. Pourtant, vous avez les cellulaires, les portables, vous avez 15 000. Doucement, 300 000. Alors Job 38, verset 12. Job, vous ne pouvez pas faire ça. Une fois dans ta vie. Allons-y, la version 8 secondes. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place? As-tu montré sa place pour dire, trois journées, dès que je me lève, je dois avoir des rencontres, des gens qui vont me bénir. Amen. Lève-toi, mon frère. Tu as fait les bonnes choses. Allons-y. Quelles existent les extrémités de la terre? Pourquoi ça existe? Est-ce que les méchants en soient secoués? Tu as une fois parlé. C'est ce que la Bible dit. Tu te plains beaucoup. Tu mets ta main, tu n'as pas encore parlé. C'est pour ça que ça nécessite. Reprends le verset, parce qu'il y a l'aura qui sort dedans. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aura? À l'aura? L'aura, c'est à 4 heures. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Ce que tu dis là, ça doit prendre saisie toute la journée. Eh bien, vous levez matin, vous parlez pas. Voici tes points. Seigneur mon Dieu, les sorciers m'ont attaqué. Ils vont t'attaquer. Attaquer la même. Mais oui, tu as un pouvoir de délier. Elle travaille la nuit. De minuit jusqu'à 4 heures, il s'arrête. Toi, elle lit, non? Toi qui viens délier. Moi, ici, brûlé, non? Tu te lèves pendant qu'il a fini de faire son travail. Tu viens, tu te fais. C'est comme ça. Et tu dois Ils vont t'attaquer, tu vas prier. Voilà, bon, ma maman, c'est bon quand les diables nous attaquent. Si elle n'est pas sorcière, dis-moi, elle est venue à Jésus. Amen. Vous quand vous avez pas venu à Jésus. Et moi, elle n'est pas venue à Jésus. Si elle n'est pas sorcière. Ah, c'est comme ça. Quand le sorcier m'a attaqué, ils m'ont montré qui a mis peur d'avocat. Il n'est pas venu vers Jésus. Je ne vois pas là-bas, alors je. Faire l'avocat, mais là, même pas rien de la cause. J'ai cherché Jésus. Même pas de prison. Tu n'as pas encore bien à ta maison, tu dors. Bon, là, non, pas rien de ça. Bon, non, non, il a dit. Quand t'attaquer. Tu as cherché Dieu. Ma voix, cocouille, on est là, voilà, tu dors. Toi, tu dors la nuit. Brrr. Bon, faut dire, brrr. 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 Il est si j'étais étonné. Les idoles là, venez, venez, venez. Les idoles là, vous venez. Tous ces décides-là, dès que vous venez, il faut piner, il faut vous. Eh, ils travaillent. Toi, tu dois venir te déprogrammer. Tout est fait de programmation. Oiseau, hein. L'oiseau n'existe pas. Il est programmé. À 9h. Ça dit à 9h30. La vie doit rentrer sous une voiture. C'est comme ça, c'est tout programmé. Toi, quand tu te lèves, allons-y, psaume 119, le verset 17. C'est tout ça que je vous enseigne. Amen. Vous êtes là, les petits comédiens, vous mangez. Les enfants viennent vous préparer. Sauce arachide. Sauce copain. Le copain, ma maman, la sauce clé avec ta cojama. Le au moins tes oreilles, au moins tes intestins, fou.
mange les rassasiés, bois son vin, la vie son vin, avec ton intestin, et un foufou. Allons-y. Le verset 147. Il dit, je dévance l'aurore. L'aurore. Et je crie. Dévancer l'aurore, c'est précéder l'aurore. Avant l'aurore, c'est 4h, donc j'ai dit 3h30 du matin. Je vous dis aujourd'hui que la spiritualité a horreur de la négligence. N'aime pas la négligence. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ceux qui négligent. Non. Si tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est toi. Tu commences, puis tu. Après, tu négliges. Sauf là, c'est dangereux. Il dit, je dévance l'aurore. Et je crie. J'espère tes promesses. À 3h30 du matin, eux, ils doivent rentrer. Ils sont programmés. Toi, tu te lèves, tu te programmes. Tu as le secret. Et ils ont fait. C'est leur travail. Ça. Tu ne peux pas changer ça. Voilà que chacun a son travail. On les a chez nous, on appelle Soubaga la nuit. Toi, tu te lèves la nuit, puis tu te programmes. La journée est gagnée. Et tu parles au jour. Toi, moi, tu dois m'envoyer le bonheur. La nuit, non. Mauvaise nouvelle. Ça doit faire. Non. Si ça doit venir, pas chez moi. Ailleurs. Le bonheur doit venir. La bénédiction doit venir. Nous parlons, mais il y a. Ma marchandise doit marcher. Ça doit marcher. Si quelqu'un doit avoir l'argent, c'est moi. C'est fini. Tu as déjà parlé au jour. L'aurore va prendre pour dire au jour. Elle a parlé. Voyez ce qu'elle a dit. Ce qui a été fait, elle a déprogrammé ça. Parce que c'est l'aurore qui fait passation de service entre la nuit et le jour. Quand l'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir parce que l'aurore. Amen. Donc c'est la technique qu'on vient vous enseigner. On vous dit de prier, mais on ne vous dit pas comment prier. C'est ça le problème.